Il est 4 h, on va arriver. On a été réveillé par la douce voix de la compagnie de bateau qui nous dit qu'on arrive dans 30 minutes et qu'il faut qu'on se mette prêt à sortir. Et voilà. Ou tu dis bonjour pour une nouvelle journée. Fais un bisou. Un peu timide, Loumarie. Ça y est, on est en Grèce. On est, comment dire, on est arrivé là où on, voilà ce qu'on aime en Grèce. On est posé en dessous les arbres. Derrière moi, il y a la plage. Et devant moi, du coup, il y a de l'eau aussi. Des deux côtés, on a de l'eau. Ah. Ça va, Léon? On n'a pas encore vu la plage là-bas. On aurait pu mettre les pieds dans l'eau, on va y aller après. En fait, quand on est arrivé, il faisait nuit. Et là, le soleil se lève. On le voit pas encore, elle est derrière les montagnes, mais c'est pour bientôt. Où il y a les grenouilles? C'est quelle heure il est, Louise, là? Les 6 h 30 du matin. Il n'y a personne à la place. Quoi? Vous vous êtes réveillé si tôt? Ouais. Et tu sais ce qu'on va faire? Attends, c'est la route! On va aller se baigner. Et cet après-midi? On va aux gorges de Vikos, qui sont les deuxièmes là où ils font plus des profondes chiffres, au monde. Après les... Ah bah merde, je... Après le Grand Canyon. Grand Canyon, merci. D'accord, t'as pas répondu à ma blague. Hein. Quoi? Ils font des chips là-bas, Vikos, ou pas? C'est des... Non, en fait, ils font pas de chips. En fait, on vous le dira après. Normalement, à cette heure-là... C'est l'heure de la vague argentée, c'est-à-dire que c'est tous les vieux qui viennent se baigner à 6 h du mat, à la fraîche. Ouais. On va voir s'il y en a. Il y en a là-bas. Je suis arrêté sur la route parce qu'on a vu une tortue. Attends, je te jure, la Swan elle descend. On voulait pas écraser cette pauvre petite tortue qui est en train de traverser la route normale. Nous. Ramasse-la, maman, arrête-la. Hop là, voilà pour la tortue. Et voilà, on sauve les tortues, nous. Et faut pas qu'on crie en fait, Loumarie, elle. Elle dort. T'as fait la bonne action de la journée, Swan. T'aimes pas toucher les T'es fier ou pas? Bah ça va, ça rentre ta tête. One, two, three, four.
juste pour vous montrer. Est-ce que vous connaissez le deuxième canyon le plus haut du monde? Alors, juste derrière le Grand Canyon aux États-Unis. Et là, on est à Vicos. Ouais, c'est ça. J'ai eu un petit doute. Le Grand Canyon de Vicos, juste derrière moi. Apprécié. Oh, devant franchement, moi le paysage ça me saoule. Ah, j'aurais pas dit ça. Toujours pareil, toujours de la beauté. Ras-le-bol. Franchement, fatigant quoi. Non, c'est vrai que c'est usant. En plus, on vient d'arriver. En plus, tu vois, Swan, ce qui est déplaisant, c'est qu'on vient d'arriver et on nous met ça. Ouais. Et puis attention. Tout de suite, hein. Quoi. Du monde. C'est blindé. J'en ai ras-le-bol qu'on peut même pas être au calme. Ouais. C'est hyper fatigant. C'est vrai. Justement, c'est fatigant d'être au calme. Du coup, tu as patienté combien de temps pour t'installer? Bah, beaucoup trop rapide. 5 secondes. À peine. Ah ouais, c'est relou. Comment veux-tu qu'on y arrive si c'est... Ah ouais, non, mais ça se voit. Parle pas trop fort. Hein. Ah ouais, c'est bon. Regarde le miel. En plus, on a acheté du miel. C'est même pas plus cher. C'est même pas tu t'es fait arnaquer. C'est même pas plus cher. C'est même pas plus cher. T'as mangé un papier. Sans faire exprès. Et voilà, donc... Et c'est du vrai miel local en plus. C'est pas du chinois. Non seulement c'est du miel local, mais en plus de ça, c'est pas plus cher. Franchement, c'est abusé. Et en plus, il y a même pas d'étiquette. Non. Tu sais qu'on fait face à un sérieux dilemme. La Swan est partie faire des courses. Parce que, je t'explique. En fait, on est passé devant un magasin. Je lui dis, wow! C'est vrai, ouais, je te jure, là, c'était ça. Wow! Et parce qu'en fait, on passe devant le magasin et là, je vois quoi, tu vois? De la viande en photo, quoi. Mais là, c'est rien. De l'autre côté du magasin, t'as des belles tranches de bœuf et tout. Je dis à Swan, je dis, bon, bah là, il n'y a pas, là, ils font dans ce magasin-là, tu peux y aller, ils ont de la viande. Parce qu'en fait, c'est un truc de fou. Ici, il y a de la viande nulle part. T'as que de la viande de jambon. Bon, voilà, on est arrivé. On est garé le long d'un lac. Tu fais attention, Léon, la marche, elle est assez haute. Hein. Donc, tu fais attention. On a un peu galéré à trouver ce soir un endroit pour dormir. Mais en fait là ce qui est bien c'est que bah, c'est plutôt cool, on est tout seul. Et voilà. Maman. Sur les montagnes. Ça y est, j'ai pris ma douche. Je me suis douché dehors. Je vais te montrer ça. Puis regarde, on a trouvé un spot. Un spot, mon pote, là, on est bien. On est seul au monde. C'est vraiment ce qu'on kiffe. Là,
il y a que nous. On aurait pu avoir des pêcheurs, là, non, on a des oies en compagnie. C'est vraiment très calme. On entend un petit peu la route. Peut-être derrière le bosquet, là, il y a la route. Mais franchement, on l'entend pas beaucoup. Et là, je te montre comment j'ai fait une douche. En fait, j'ai un petit robinet, là, qui coule depuis donc là-haut. J'ai deux poches d'eau. Et la journée, donc elles sont noires, elles absorbent la chaleur du soleil. Et le soir, on peut prendre une petite douche et c'est fort appréciable. Et du coup, ça évite de consommer, d'épuiser de l'énergie. Pour faire chauffer de l'eau, il nous faudrait du gaz. Et en fait, le soleil nous chauffe l'eau. C'est pas top, ça. Voilà. Donc on a dû passer quand même pas mal de temps à l'ombre parce qu'elle était pas très chaude. Mais elle était pas froide non plus. Ciao, ciao, ciao. Et le meilleur spot pour se laver, franchement, c'est trop cool. Il y a quand même carrément pire. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est horrible, une sauterelle là, celle-là, la taille d'une poule. Attends, mais c'est con, j'ai une caméra qui filme pas très bien la nuit. Donc du coup on voit la sauterelle, mais alors... C'est compliqué ça, c'est pas une sauterelle. Je sais pas c'est quoi, mais... Bah c'est une sauterelle quand même, c'est... Ah oh, putain, elle va... Ah non mais par contre, sur la vidéo, on se rend pas compte de la taille. Faudrait qu'on mette une fourchette à côté. Ou une cuillère. Non mais attends, j'ai une cuillère, regarde. La taille de la sauterelle. Oh putain. Ah, il y en a une autre. Elle est plus grosse celle-là. Mais regarde, regarde, elle fait presque la taille de la cuillère quoi.